Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast vidéo de Wheel of MacJT en hors-série. Je remercie bien entendu Lokan.fr, L-O-K-A-N, pour nous prêter sa caméra pour faire le cadrage, il est juste derrière. Comme voilà, vous l'entendez. C'est donc ici que se passe l'événement Apple de l'année 2009, les Gones du Mac qui fêtent leurs 20 ans de leur association, ainsi que les 25 ans du Mac. On remercie bien sûr rapidement tous les sites qui ont parlé de nous, que ce soit Mac Forever, Mac Génération, Mac Bidouille et aussi PC Impact et tous les autres blogs qu'on va oublier. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement rentrer dans la péniche, mais on va passer par l'arrière, on va passer par le backstage. C'est parti! Donc là, on va rentrer par l'arrière d'où se trouve la scène, où vous allez avoir tous les partenaires, que ce soit Adobe, Microsoft, vous avez aussi ICLG et tous les autres, aussi Wacom. Donc comme vous pouvez le voir, c'est il y a du monde. Là, vous pouvez avoir un aperçu donc du bar et de la buvette pour se restaurer. Vous avez aussi les différentes présentations avec VMware qui fait ses présentations de virtualisation. Vous avez tous les autres. Donc nous, on va passer rapidement parce qu'il y a beaucoup de monde et puis on va aller directement là où ça nous intéresse pour commencer avec Jurassic Mac et un musée de tous les ordinateurs et produits Apple. Et c'est donc ici que commence l'aventure, avec un musée des 25 ans du Mac. C'est une incroyable collection qui a été réunie dans un espace très réduit où vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir tous les produits Apple. Oui. Une très très belle machine, qui fonctionne encore, c'est ça le plus surprenant. Et là on va continuer. Donc là, vous avez le fameux Lisa, celui qui est sorti en, de 1900, comment dire, qui a été distribué de 1983 à 1986. Ça a pas mal évolué quand même depuis. Hein. On va commencer à évoluer petit à petit. Et là, on a le fameux Macintosh Plus. D'ailleurs, si vous avez écouté attentivement l'un des précédents numéros de Wheel of MacJT, le premier modèle de Macintosh Plus, le numéro 001, a été vendu aux enchères dernièrement. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne encore et ça fonctionne très bien avec une, carrément une vidéo de démonstration sur ce Macintosh SE30. Et les jeux de cartes qui fonctionnent encore, c'est ça qui est merveilleux. Et ça fonctionne très bien. Et vous gagnez au moins? Bah bien sûr. Là on a la première série des Macintosh PowerBook. Donc ceux qui sont sortis dans les années 90. Et ça reste d'actualité. On dirait les papas des netbooks. C'est assez impressionnant. Celui-là qui avait été sorti, que je dise pas de bêtises, pour l'anniversaire, pour les 20 ans d'Apple, donc fondé en 1977, Apple a sorti le TAM, le 20th Anniversary Macintosh. Donc c'était des ordinateurs au design exceptionnel qui, en plus, donc qui sont sortis quand même en 1997-1998, ils étaient équipés avec déjà un écran plat, ce qui n'existait quasiment pas à l'époque dans les ordinateurs grand public, un système audio Bose, lecteur CD à charge frontale, un système TV FM, un repose-poignet en cuir. Donc c'était vraiment des ordinateurs d'une qualité assez incroyable pour tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Vous vous souvenez, en 1997-98, vous avez des grosses tours qui étaient très métalliques, c'était limite des tanks. Et Apple sortait déjà des machines au design quand même tout en un, tout intégré, avec vraiment une connectique magnifique. Vous avez, et ça, je vais faire plaisir à beaucoup de monde, la fameuse Pippin, la console d'Apple, celle qui n'a malheureusement pas marché. Donc c'était une association avec Bandai, si je ne me trompe pas, qui assurait la distribution. Et c'est pas dégueulasse en fait. Hein. C'est pas dégueulasse. Et ça fonctionne encore. C'est ça qui est assez exceptionnel. Je suis avec Mac Gilles, qui est une encyclopédie vivante du Mac. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors Gilles a décidé de nous parler, entre toutes ces merveilleuses machines qui fonctionnent encore, de nous parler de la palourde. La palourde. Le premier iBook grand public, la première machine grand public d'Apple en portable, puisqu'avant il n'y avait que des gammes PowerBook. Bon, qui était accessible parfois au niveau prix, mais il n'y avait pas de gamme dédiée.
En fait, c'est au retour de Steve Jobs où il a décidé de faire deux segments, les machines pro et les machines personnelles, et dans chacune, les portables et les machines de bureau. Donc c'est là où on retrouve cette séparation iBook pour le grand public et les fameux PowerBook, comme actuellement, enfin, moins avec la baisse des prix, mais au-delà, près des 2000 $ et bien plus. D'accord. Et quand est-ce que ce modèle a été mis sur le marché, mis en vente ? En 99, c'était le premier modèle, donc l'iBook avec le G3, puisque les portables d'avant n'étaient pas encore en G3. Et à cette époque, d'ailleurs, je travaillais chez Hewlett Packard, donc c'était assez marrant parce que nous, on ne faisait pas vraiment des PC très jolis, quoi. Et on ne les fait pas encore, hein, c'est toujours le cas. J'avais mis ça, d'ailleurs, dans mon bureau, ce qui était assez amusant. Enfin, une affiche, parce que je n'avais pas le portable à l'époque. Et c'était vrai que c'était marrant de voir l'écart de design entre Apple et ce que vous faites ailleurs. Et je suis avec Jean-Pierre, l'un des membres de l'association Les Gaunes du Mac. Alors Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais savoir depuis combien de temps ça fait que vous êtes dans cette association ? Alors ça fait 2 ans que je fais partie de l'association. Et pour quelle raison vous avez rejoint les Gaunes du Mac ? Mais écoutez, j'avais quelques difficultés avec une marque que je ne citerai pas mais qu'on reconnaît de suite. Et j'ai trouvé beaucoup. Et dans ma famille, ils avaient déjà ce genre d'appareil. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à utiliser. Plus simple à utiliser. Et j'en suis très content parce que ce soit au point de vue Internet, d'abord, il n'y a pas d'antivirus. Il n'y a pas d'antivirus, e-photo, enfin les photos c'est très facile, ça se gère très bien. Et justement, qu'est-ce que vous faites sur votre ordinateur tous les jours ? Ah ben, moi je vais beaucoup sur Internet parce qu'on peut pas mal se cultiver, il y a beaucoup de choses, enfin si vous avez des recherches à faire, je sais pas moi, en architecture, en médecine ou tout ça. C'est très facile d'aller sur Internet. Ouais. Vous n'êtes jamais ennuyé parce que vous n'avez pas d'antivirus. Et tous les problèmes de plantage, vous ne connaissez pas. Ensuite, vous avez e-photo. Comme je voyage pas mal et j'ai énormément de photos, je les traite avec e-photo. Photos, ouais. Ça gère mes photos. Je peux les recadrer, les améliorer, les archiver, en faire des diaporamas, envoyer à mes amis lorsque je rentre de voyage. Et puis alors, il y a également iTunes pour la musique. Pour les radios, on peut écouter toutes les radios. J'ai la possibilité avec un logiciel supplémentaire d'enregistrer tout ce que je peux écouter et tout ça. Donc en l'espace de 2 ans, vous êtes passé d'un ordinateur avec des problèmes à tout d'un coup vous gérez vos photos, vous allez sur Internet, vous gérez votre musique et vous avez une vie entièrement numérique. Exactement, oui, je suis très, très content, très content de ce genre d'appareil. Eh bien, bonne continuation. Et bonjour, nous sommes donc aujourd'hui avec Olivier de Bise. Oui, bonjour, Olivier H, en fait de la société Tiloli qui distribue sur toute l'Europe la marque Bise. La marque Bise, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes ces magnifiques housses qui protègent nos iPhones, nos ordinateurs, nos disques durs aussi, est-ce que j'en oublie ? Non, alors la dernière lancée dans la gamme, c'est toute une série de housses pour les tablettes graphiques Wacom, y compris les toutes dernières tablettes bambou qui viennent juste de sortir. D'accord, parfait. D'un point de vue, la question moi, que je me pose, c'est d'un point de vue cote, comment vous faites pour... est-ce que vous connaissez à l'avance les modèles qui vont sortir d'un point de vue purement cote pour pouvoir envoyer les housses ou vous avez juste un flux de production terriblement optimisé ? Alors, on n'a pas d'informations de la part des gens d'Apple. On va à la chasse à toutes les informations possibles et imaginables sur les newsletters, auprès des connexions qu'on peut nous avoir en direct. Mais à chaque fois, de toute façon, c'est une course contre la montre avec l'usine. On est toujours en flux tendu. On expose, par exemple, en janvier 2010 au CES à Las Vegas. Tout le monde attend des annonces à cette occasion et le temps de production à l'usine est déjà réservé pour cette semaine-là de manière à pouvoir être les plus réactifs possibles. D'accord, c'est parfait. D'un point de vue collection, on a certains modèles ici. La gamme Bise est quand même bien plus étoffée. Est-ce qu'il y a des grosses catégories de housses d'un point de vue ordinateur pour simplifier ? Alors, au niveau des ordinateurs Mac, on a plusieurs collections et on essaye tous les 3 à 6 mois d'installer une nouvelle collection. Donc ici, vous avez la collection Allure, qui est une collection avec un motif à rayures décliné en trois coloris, qui est la dernière née en fait de cette collection-là. Et puis derrière, on va avoir une famille de sacs bandoulières, une famille de sacs valisettes et une famille de sacs à dos. Parallèlement à ça, on développe également des housses pour d'autres outils nomades, comme donc les tablettes Wacom, les disques durs externes, et je dirais
beaucoup de petites utilités nomades que peuvent avoir nos clients finaux. D'accord, parfait. Lors d'une interview que vous aviez accordée à Mac Forever, me semble-t-il, lors de l'Apple Expo, il me semble que vous signaliez qu'il y avait l'opportunité était donnée aux nouveaux créateurs, que vous aviez des gammes spécifiques à certains petits designers. Alors en fait, on a lancé avec une illustratrice qui est basée à Hong Kong une série spéciale qui s'appelle China Scenes et qui est une série qu'on vend aujourd'hui, avec laquelle par exemple en Allemagne on a fait le magazine In Flight de Lufthansa. On aura également en 2010 une série qui sera probablement une série Paris, sur laquelle là effectivement on fait travailler des designers plutôt jeunes, plutôt indépendants, et on travaille également avec un designer qui est actuellement basé en Grèce sur le développement d'un cabin case. D'accord, parfait. D'un point de vue tarif, et on va en finir avec ça, vos housses s'échelonnent de quel prix à quel prix, et surtout où est-ce qu'on peut les commander? Est-ce que sur votre site, puisque vous avez un site, on va rappeler l'adresse, on peut les commander dessus, ou est-ce qu'il faut passer nécessairement par un revendeur agréé? Alors, on prône nous pour que chacun fasse son métier. Nous, on développe les produits, on les distribue et les revendeurs les vendent. Donc nos housses, ça va de 25 euros TTC pour de la housse MacBook jusqu'à 35 pour de la housse MacBook Pro 17. Ça peut se trouver chez ICLG, qui est partenaire du salon des 20 ans des Gones du Mac, hein, et qui a 9 adresses en France et en Belgique. On peut les trouver chez Fnac, on peut les trouver chez l'Apple Store. On est vendu également chez pratiquement tous les APR de France et également dans des magasins style Surcouf par exemple. Parfait. Donc merci beaucoup pour cette interview et à très bientôt. You're welcome. Et nous sommes toujours sur la péniche La Plateforme à Lyon. Comme vous pouvez le voir, ça s'est bien rempli. J'ai à côté de moi Camille. Camille, bonjour. Bonjour. Alors tu es membre de l'association Les Gones du Mac? Oui, tout à fait. Et ça fait combien de temps que tu y es? Depuis 4 mois. Depuis 4 mois. Et justement, est-ce que c'est suite à un switch sous Mac, sous PC? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, j'étais sur Mac à la base. Donc dès mes 5-6 ans, je me suis mise sur Mac. Et après, j'ai voulu essayer PC, et là, ça fait un an que je suis revenue sur Mac, parce que finalement, il n'y a que ça de vrai, les Mac. Finalement, il n'y a que ça de vrai. Et alors justement, cette association, quand est-ce qu'elle a été créée? Alors, elle existe depuis 1989. D'accord. Et c'est une association loi 1901, justement. D'accord. Et c'est donc visiblement l'une des plus grosses de France, avec combien de membres au total? 110. 110 membres, donc vous voyez que j'avais tout faux quand je disais 80, c'était carrément 110 membres. Et qu'est-ce que vous organisez justement? Une association, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on y fait dans cette association? Alors c'est une association surtout de partage de connaissances, chacun donne et reçoit des informations, des réponses à des questions. Et tous les mardis soirs, il y a des soirées à thème avec des présentations. Et le but, c'est que dans l'année, tous les membres fassent une présentation de ce qu'ils savent et de ce qu'ils peuvent apporter au club. Donc s'il y en a un qui sait super bien utiliser iPhoto, il va faire un mardi soir et il va présenter tout iPhoto en fait. Voilà. D'accord, c'est super. Et combien ça coûte d'adhérer à l'association, toutes les formalités, le site internet où on peut retrouver tout ça? Alors le site internet, c'est www.lesgonesdumac.com. Et l'adhérence pour les étudiants, c'est 15 euros. Et pour les adultes, c'est 20 euros. À l'année. Donc voilà, pour une somme tout à fait modique, on peut se retrouver entre utilisateurs, voir des présentations toutes les semaines, on peut s'échanger les mails, avoir des petites astuces. Donc je pense que tu en es contente. Tout à fait. Et en plus, tu ramènes des gens à l'association. Oui, je ramène des jeunes. Eh bien écoute, merci beaucoup et bonne continuation.